Bonjour. Tu as passé 8 années au foyer Helpingens. Nous avons Et donc, bonjour, bonsoir, c'est Revan. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Voilà, qui n'est pas une vidéo à vie. On peut pas dire à la vie. Test, découverte, let's play, voilà. Mais pour vous parler un peu de l'actrice Strange, j'ai des inquiétudes que j'ai autour du prochain jeu qui va sortir. As-tu des projets? Donc, écoutez, si vous me découvrez avec cette vidéo, je vous invite à aller voir mes playlists. Mon frère a dit que je pourrais peut-être lui donner un coup de main dans le bar où il travaille. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, donc oui, je voulais faire cette vidéo, voilà, je me suis mis sur Life is Strange Truecolor, je profite qu'il soit sur dans le PlayStation Plus Extra. Et oui. Donc voilà, pour vous mettre un peu à visuel et tout, mais c'est vraiment une vidéo blabla, hein. Vous pouvez la mettre en fond, en mode podcast. Donc voilà, donc alors moi Life is Strange, sachez que c'est des jeux que j'ai vraiment beaucoup aimé. Le 1, je l'avais adoré quand il était sorti à l'époque. Le fait que tu puisses voyager dans le temps. Attention, Maxine, elle a le pouvoir de voyager dans le temps. Qu'il y a de mieux. Pas dans l'espace. Donc genre, si elle voyage dans le temps, si elle s'enferme dans une pièce, elle voyage dans le temps, elle va revenir dans la pièce où elle était. Pas à l'endroit, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Une fille ordinaire, et puis bon, avec tout ce final, et puis j'ai trouvé que c'était plutôt bien écrit, plutôt bien narré. Puis il y avait cette histoire aussi de disparition mystérieuse, de ce qui se passait vers la fin et tout. Je vais pas trop spoiler pour pas vous. Si vous voulez faire le jeu, mais je vous invite à faire Life is Strange 1 et tout. J'avais vraiment adoré, surtout toute cette période de jeu narratif. On appelait ça des films narratifs à l'époque, des films interactifs. Hein, donc voilà, franchement, j'avais vraiment adoré le premier et tout. Ensuite le second qui était sorti, Life is Strange 2, lui aussi je l'avais bien aimé. En plus bon comment il s'appelle déjà, Dontnod, ils avaient pris des grosses couilles, hein, ils avaient sorti leurs grosses couilles, faut dire les termes, hein, parce que ressortir la suite Life is Strange 2 dans lequel tu n'incarnes pas l'héroïne du précédent épisode, un nouveau personnage, et ce qui était plus fort encore, c'est que tu contrôlais pas le personnage qui avait le pouvoir, contrôlait son frère. T'étais un peu son guide et tout, c'était toi qui devais lui dire quand tu pouvais utiliser tes pouvoirs, tu t'avais tiraillé comme ça. Tu peux aider cette personne, mais ça va révéler ses pouvoirs et tout. Tu vois, t'avais plein de petits choix, plein de petits trucs comme ça et tout, que tu devais choisir. Est-ce que tu demandes à ton frère avec ses pouvoirs, d'utiliser ses pouvoirs ou pas. Et ça, c'était plutôt intéressant et j'ai vraiment aimé l'épopée. C'était un road trip. On était plus dans un petit hub et tout, on était dans un road trip et tout, et j'avais vraiment, vraiment, vraiment aimé Life is Strange 2. Voilà, j'ai commencé le let's play, d'ailleurs le let's play de Life is Strange 1 est disponible, hein, sur la chaîne, vous pouvez aller le voir, il est en entier. Et le 2, j'ai fait les deux premiers épisodes, il faudrait que je le continue. J'avais déjà fait le jeu à l'époque, mais je voulais faire un let's play pour qu'il soit comment ça s'appelle, pour que vous l'ayez sur la chaîne, mais je le ferai, je le finirai. Ne vous en faites pas, on le finira. Donc voilà, et donc là récemment, bon, il y a eu True Colors aussi. Je parle pas des deux, j'ai pas fait Before the Storm, l'après-quel du 1, ça m'intéressait pas. Désolé, bon, il se trouve que l'histoire du 1 elle se suffisait à elle-même. Mais par contre, j'avais fait les aventures de Captain Chipako, qui était une sorte de petit prélude à l'épisode 2. Bon, c'était juste, tu voyais un personnage et tout, il avait pas tant d'importance que ça dans l'histoire. C'est l'heure de retrouver Gabe. Tu vois, mais voilà. Et donc voilà, il y a eu ce Life is Strange Truecolor, dont le let's play sur la chaîne également. Vous pouvez aller voir, j'ai fait aussi un avis. Je vous ai donné aussi mon avis, mais je vais vous le répéter ce que j'avais dit là. Et malheureusement, ce jeu, c'était une déception, ce Life is Strange Truecolor. Mais je pense dans tous les sens du terme, quoi. Moi j'étais chaud et tout, l'idée de retrouver Life is Strange, deux jeux que j'avais bien aimé, deux jeux épisodiques que j'avais beaucoup aimé et tout. J'étais très content. Malheureusement, j'ai trouvé ce jeu. Alors je vous fais une petite synthèse de ce que j'ai dit dans mon avis. Hein. J'ai trouvé que malheureusement, ce jeu, ben voilà, les personnages, je ressentais rien pour eux. Il n'y avait pas d'attachement envers les personnages. Je trouvais que la ville, franchement, bon, c'est même pas vraiment un hub, quoi, c'est une rue et un pont. C'est vraiment décevant, quoi, le fait que tu puisses pas vraiment, t'as pas vraiment un hub, que tu puisses te déplacer. Et surtout le pouvoir de l'héroïne, qui est le pouvoir de l'empathie, hein, donc voilà, elle voit les émotions des personnages, genre il est en colère, c'est tout rouge, elle est triste, c'est bleu, des trucs comme ça, quoi. Et j'ai trouvé ça un peu nul comme pouvoir, surtout la manière dont tu l'utilises. J'ai trouvé que ça portait pas, c'était vraiment un peu osef, quoi. Très sincèrement, je pense que même si tu n'avais pas les pouvoirs, ça aurait pas changé grand-chose. Très sincèrement.
t'aurais pu faire le jeu. Voilà, alors peut-être fallait remanier une ou deux scènes, mais franchement, c'est juste une sorte de petite enquête. Au rythme vraiment pas fou, quoi. Le rythme, il est, j'ai trouvé le Allez! rythme nul. Mal rythmé, le jeu. Ouais, comme je disais, le pouvoir, bon. Oh putain, Il est c'est vraiment lui. vraiment pas intéressant à utiliser. C'est pour ça que le jeu. Et comme je vous ai dit, hein, j'ai trouvé Alors, ça mal écrit, c'est quoi le protocole pour les réunions avec les inintéressant, sœurs perdues de vue, personnage peu Gélida? attachant, pouvoir nul, rythme dans les chaussettes. Voilà, c'était vraiment une grosse, grosse désillusion, ce jeu. Si ça te dérange pas de me serrer dans tes bras. Je dois vous l'avouer. Il y avait des moments cool, hein. Il y avait des je repense surtout M'écraser les côtes, ça fait partie du épisode 5, protocole? c'était plutôt cool, mais voilà quoi, c'est. Je compare ça aux deux premiers. Ça me fait tellement plaisir de Et te puis oui, revoir. si, j'avais aussi reproché la J'arrive structure en pas à croire que chapitre. tu sois là. Autant pour Putain, les c'est précédents vrai. jeux, c'était des jeux vendus à l'unité, tu vois. T'avais un épisode, 2 mois après t'avais l'épisode 2, 2 mois après t'avais l'épisode 3. Donc pour ça, je pouvais comprendre. Dans celui-là, t'as déjà tout le jeu C'est directement. devenu C'est une divisé en adulte. chapitres. Et surtout que, tu vois, Je l'ai pas t'as vu pas venir. le. T'as, je me souviens pas d'un chapitre où, tu sais, à la fois t'as un gros J'ai cliffhanger, grandi, t'as envie de hein. connaître, t'as envie de connaître la Ouais, suite. ouais. Ça arrive avec le Alors, temps. est-ce qu'ils ont gardé cette structure Ouais, pour t'as faire découvert la ville? référence aux anciens Life is Strange, aux deux premiers? Voilà, ils ont fait, bon, bah, il y avait des 5 épisodes, là, on va faire 5 chapitres, hein, vu que c'est un jeu vendu directement. Carrément, Tu c'est vois, vu parti, mon qu'il y a tout kiki. le jeu directement, c'est pas en épisode, Je c'est sais pas pas pourquoi vendu j'ai dit ça. épisodiquement. Moi non Voilà, donc plus. je me suis dit, est-ce que c'est pour ça, ou est-ce que Mais c'est j'aime que, ton bon, enthousiasme. Square Enix nous dit, non, 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 c'est bon, peut-être Alors, qu'ils ont le pas Black voulu, ça Lantern se dit, ça trouve marche dans plus cette trop, les ruine. jeux épisodiques. Je D'ailleurs, c'est t'avais dit vrai que que tu ça vivais fait au-dessus longtemps d'un bain, non? que j'ai pas eu de jeu Les épisodique, pieds. quoi. J'étais épisode Comment par c'est le épisode et voyage? tout, à la telle-telle et tout. Tu dois être claqué. Ça Donc ouais, ça fait va. longtemps, peut-être qu'ils ont pas voulu. La Et route dans les montagnes était donc magnifique. voilà mon avis sur Trucolor, Eleanor, qui était salut. vraiment une déception. Alex Et vient pourquoi d'arriver. c'était une déception, les gars? Alex, On arrive je au te sujet, présente j'en Eleanor arrive à Lett, parler au sujet de la propriétaire vidéo. de la boutique de Parce que fleurs ça a et été créé, véritable c'est pas, reine de il n'a pas été Heaven's fait par Plains. Deknai, par Quelle Dontnod. joie de te rencontrer L'épisode enfin. 1 et 2, ils ont fait des par Dontnod, société française, Bienvenue. alors que là, lui, il a fait par Deknai, le Trucolor. On est tellement heureux de Et donc c'est t'avoir pour parmi ça. nous. Et Gabe c'est nous a eux beaucoup aussi parlé de qui sont toi. également en charge du Moi aussi, je prochain suis jeu qui heureuse. va sortir, Life is Strange, Double Exposure. Et désolé pour mon accent Elle a l'air anglais gentille. pourri. Ouais, elle est top. Voilà, Elle a c'est ceux tendance à qui faire beaucoup sont de bien en là-bas. charge. Et Non, franchement, sans vu déconner. l'écriture et vu ce qu'ils nous ont fait sur cet épisode, j'ai extrêmement peur, les gars. J'ai vraiment pas Bienvenue à confiance. Haven. Alors vous pouvez me dire, mais Revan, si t'as pas confiance, si t'as trouvé que le 3. Enfin, non, le 3. Non, 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 non. Tant que c'est pas marqué Life is Strange 3, c'est pas le 3. C'est pas le troisième épisode. Laissez-moi dans mon déni. Laissez-moi dans le déni. Pour moi, Life is Strange 3, ce sera fait par d'autres nodes, et puis voilà, c'est tout. Ouais, je disais, déjà, c'est fait par Deknai, donc ça avait flotté. Et pour la manière. Pourquoi m'intéresse à ce jeu? Bah, parce que j'aime bien la licence, quoi. Malgré tout, je veux. Il y a une part en moi qui veut y C'est croire. beau. Je Allez, veux viens. croire. Mais de ce que j'ai vu, de ce que j'ai compris, franchement, ça me donne. C'est le premier Ça me arrêt fait extrêmement officiel peur. de la Déjà, le visite. fait qu'ils Tout à fait. reviennent Si avec vous voulez bien me Maxine, suivre, vous l'héroïne du trouverez premier ici votre complice épisode. maîtresse. Gabe Jen, achetant des Est-ce fleurs que pour c'était vraiment s'excuser nécessaire, auprès de sa très copine sincèrement? Chi? Oh, Est-ce que j'en cette prie, mes histoire, elle aura impatients. vraiment une Vis-à-vis son importance? Est-ce que petit. Maxine était nécessaire à cette histoire? Qu'ils n'auraient pas pu raconter la même histoire avec un autre personnage? Parce que aussi de ce que j'ai C'est compris, lui je suis désolé, Gabe. j'ai vu le trailer qu'une Je te seule présente fois, ma sœur, hein, Alex. ou le teaser d'annonce, trailer ou teaser d'annonce, je ne sais pas. Quel est ton point faible? Pardon? De ce que j'ai compris, elle a le C'est pour un pouvoir. En entretien à fait, la fac. il y Ça a fait une de des ses jours pour amies, moi. mais qui n'est pas Chloé, Gabe insiste pour que je donne une hein, réponse qui va immédiate. mourir, Honnête est et toujours elle une va bonne se retrouver solution. une. Elle Comment va tu pouvoir veux répondre voyager autrement? dans une autre En mentant? dimension, celle-ci vivante, ou Non, je sais pas, mais je j'ai pas peux tout compris. En fait, répondre tu voyages de dimension, stratégiquement tu avec changes une de de mes dimension, vérités. Genre, dans un monde je travaille parallèle, trop dans un monde dur parallèle, ou elle je a plus le sauve trop pouvoir de chiots. de voyager C'est le dans le genre de temps, c'est conneries ça? qu'il repère à des D'après ce que j'ai kilomètres, j'ai compris, hein. essayé de la prévenir. Ah bon? Qu'est-ce que tu ferais? Donc c'est vraiment très bizarre, et de ce que j'ai compris, Moi, Et de je ce que serais j'ai compris honnête. également, c'est C'est souvent comment plus dire. difficile, mais ça rend le Ce sera propos dans plus un, le hub, ce authentique. sera un campus. Je te l'avais dit. Campus, de ce que j'ai Vous compris, êtes vraiment comme tu es, universitaire ou je sais chimiste tous pas les trop deux. quoi. On dirait, ouais. J'espère que ce sera mieux fait que dans celui-là. Là, comme je vous ai dit, Alex, ça tu peux me s'apparente donner un à coup de une main? rue. C'est une ligne droite, c'est-à-dire, Qu'est-ce que et je prends un pour petit pont. Charlotte? Voilà, et un pont. Voilà, Les tournesols donc sont ses j'espère que le hub il préférés. sera mieux fait. Mais Et j'ai vu donc, sur le net que ouais, le fait de le ramener muguet ma. est Et puis, parfait pour s'excuser. quel, est-ce qu'ils vont prendre en compte T'en penses Chloé? quoi? Le choix qu'on a fait à la fin de Life is Strange 1? Comment ils vont faire pour s'en sortir avec ce monde parallèle?
que ça veut dire qu'il y aurait un monde où, je sais pas, dans l'un des mondes, t'as Chloé qui t'appelle, et dans l'autre, bah non, parce qu'elle est plus là. Et tu t'excuses pour Donc quoi, en fait voilà, c'est des questions que je me pose sur le scénario. C'est toi ? Déjà que j'étais pas emballé au fait que ce soit Deck 9, il ramène Maxine. Aïe 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 aïe. Franchement, je suis vraiment. Voilà ce qui m'inquiète sur le prochain Life is Strange. Si Charlotte adore et les puis le pouvoir, ça va pas l'air ouf hein. Bah, tu mènes une enquête policière quoi. J'ai compris, tu mènes une enquête, mais sauf que tu pourrais envoyer dans deux dimensions. Je vois pas en fait. Si Matt m'offrait des fleurs, ne serait-ce que la moitié de ce que tu Peut-être qu'ils vont me surprendre hein. Mais ouais, ça me fait chier parce que le jeu, malheureusement. Vous êtes toujours ensemble. Ah, plein pot, moi je ne suis pas soutenu par les éditeurs. Square Enix, donnez-moi une clé. Dans 5 minutes. Tu me mets sur mon compte. Non, mais ouais. Voilà, donc, parce que oui, si vous précommandez la version, je sais pas quoi, il y a une version. Non. Une version spécifique, si vous pouvez avoir 2 semaines d'avance sur les 2 premiers chapitres. Un accès anticipé de 2 semaines. On peut y aller. C'est un peu du foutage de gueule, ça. Attends, jeter un œil par ici avant de partir. Et donc voilà pourquoi je ne suis pas confiant sur le prochain Life is Strange. Ce jeu, ces développeurs me font peur. Pour les jardins enchantés. Voilà, j'ai pas aimé True Colors. Mais ce n'est pas le 3, je refuse. Je vous l'ai dit, je suis dans le déni. Ouais. Donc j'ai pas aimé True Colors, le fait que Maxine revienne, les développeurs. Franchement, ça fait. Ça me fait extrêmement peur, tu vois. J'ai vraiment pas de confiance envers le prochain jeu. J'ai aucune confiance. Enfin, j'ai très peur de ce que ça peut donner. Et sachez que je ne regarde pas les trailers. Moi. Une fois que le jeu a été annoncé, je suis pas là à me rebatter tous les trailers qui sortent et tout. Tu vois, une fois et ça suffit. Il a un look incroyable. En plus, c'est un intellectuel et un prix Nobel. Oh mon Dieu, arrêtez par pitié. Dans un instant. désolé pour ces blagues nulles. Donc, voilà. Non, mais c'était une petite vidéo. Alors, je sais pas comment je vais appeler ce genre de vidéo. Peut-être vidéo à la con. Ou Tokunojutsu. Hein. Dites-moi ce que vous préférez comme titre. Donc, voilà. J'avais juste envie de vous partager mes inquiétudes auprès sur... pour le prochain Life is Strange, pourquoi j'étais inquiet. Évidemment que je le ferai, et si je le fais, c'est sur la chaîne, tu vois. Mais je pars pas confiant. Hein. Je suis un pigeon. Alors, c'est ce qu'on appelle de la pigeonnerie. J'ai pas aimé le 3, mais je vais quand même me prendre le... J'ai pas aimé True Color, je vais quand même me prendre le prochain. Parce que j'avais aimé les deux premiers, quoi. Et je sais pas, c'est une licence que j'aime bien, malgré que ce soit plus les mêmes devs. Donc voilà, j'espère que ce que je suis en train de dire là, je viendrai à la fin de Double Exposure, me dire ah, franchement le jeu il était bien, et voilà. Comptez sur moi que si je le fais le jeu, je reviendrai vers vous pour dire ce que j'en ai pensé réellement. J'espère que les tournesols. Donc il sort au mois de... là je tourne, je fais cette vidéo, on est au mois d'août. Ça doit sortir je crois au mois de septembre ou octobre, je ne sais plus. Mais bref, voilà. Bah en tout cas, voilà, moi je vais vous laisser sur ça, hein. Je vous ai dit un peu mes inquiétudes que j'avais. Pourquoi j'étais sceptique par rapport au prochain jeu. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en avez pensé des 3 jeux qui sont sortis. Quel est votre préféré? On pourra sortir. Et est-ce que vous partagez mes inquiétudes ou pas du tout? Donc voilà. Sur ce, moi, je vous laisse ici. Hein. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir si mes playlists, hein, ce que je fais sur la chaîne, si ça vous si vous découvrez avec cette vidéo. Peut-être ça vous plaira et dans ce cas-là, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Oh, moi, je vais vous laisser là-dessus. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Profitez de la adorables, vie. Non et à bientôt sur le réseau. Ouais. Olite, ciao. Ce sont tes grands-parents? Non, mais c'est tout comme.